Salut à tous, c'est Raven2800 et bienvenue pour cette vidéo de présentation, de découverte, voilà, appelez-la comme vous voulez, de Final Fantasy XV, la démo épisode Duskay. Je sais pas comment ça se prononce, alors désolé si je prononce très mal. Eh bien écoutez, lançons-nous tout de suite dans l'aventure, on aura largement le temps de discuter durant la démo. Hein. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait comme un jeu de ces nouvelles parties, continuer, réglages. Alors pour les réglages, je vous le montre quand même. Un sous-titre en français, les langues en japonais, hein, on n'a pas trop envie de vomir. Et puis voilà, après ça c'est le réglage du son, mais vous en battez complètement les couilles, et puis moi aussi. Donc c'est parti pour une nouvelle partie, et puis voyons voir un petit peu ce que cette démo, ce que ce jeu, après tant d'années, a à nous proposer. Go. Final Fantasy XV, épisode Duskay. Après toute une vie passée au milieu des gratte-ciels de la capitale, il était inévitable que la nature, s'étendant à perte de vue sous leurs yeux distraits, les quatre jeunes gens. En quittant le bitume de la route pour suivre un mauvais chemin de terre, ils n'entendirent le gémissement sourd de leur voiture qu'au moment où elle rendit l'âme. Le chemin vers Titan, le géant de pierre qui sommeille au cœur des terres incandescentes du disque de Kotes, promet d'être long et ardu. Pour l'instant, le groupe doit trouver un moyen de récupérer son véhicule. En tout cas, c'est magnifique, hein, si le décor il est vraiment comme ça. On va bien voir la patte graphique, puisqu'à la base c'était Versus 13 qui devait sortir sur PS3, c'est devenu FF15, puis ça sort sur PS4, donc ils ont dû revoir tout le moteur graphique. En fait, ce jeu, quelque part, il a aussi pas eu de peau, quoi, ou je sais pas, peut-être trop ambitieux, il devait être trop ambitieux à la base, et voilà. Ils ont dû engloutir une masse de pognon, hein, c'était... waouh. Ça devait être quelque chose d'assez sympathique, quoi. Bon. À la fin de ce chargement, je sais pas combien de temps ça va durer. J'ai ma PS3 qui est en train... ma PS4 qui est en train de cracher du sang. Hop, allez.大事な車を壊しちまったやつ誰だ。まったく。誰だろうね。ああ、もう本当ごめんなさい。わざとじゃないんだって。そうだな。わざとなら大問題だ。無理か。 起きろ、ノクト。揺れてる。叩きすぎ。俺はタイタンかよ。おはよう、ノクト。目あげろ。起きたな。そうでもない。 行かなくていいのか？修理代を用意してカーテスの大皿に。しっかりしろよ、王子。巨神様のお膝元までもうひと踏ん張りだ。俺も天気はどうかな。うーわー、超晴れてる。どうやら 絶好の徒歩日和みたいだな。<笑>
目標の金額まではまだかなりある。噂のベヒーモスでも狙うか。この辺にいるんだろう。角、高く売れるんだっけ。俺たちだけでなんとかできんの。なんとかしねえと車戻ってこねえだろ。修理は進んでんのかね。シドニーなら安心だよ。任せてって言ってたし。わざわざ近くのスタンドまで出向いて修理してくれてるらしい。だからあとは金。角でも何でも仕留めて売って車を迎えに来ゃいいって話だな。ああ。Acheter une conduite. Économiser 24 000 gils pour payer les réparations de la voiture. Vous venez de recevoir quête principale. Ok. D'accord. Prendre le behemoth par la corne. Trouver des infos sur le behemoth. On a même un boss. On a même le boss. Ok. Déplacer la caméra. Wow. Bon alors ça, phase de tuto, hein, chiante mais obligatoire. J'aurais pas deviné que c'était les joysticks pour faire bouger. Oh putain par contre, sérieux ils bougent pas mieux que ça. Oh ça fait bizarre. Je peux pas courir. Oh pitié, dites-moi que je peux courir quoi, c'est quoi cette marche. Ouais, je pense qu'en fait il m'active les trucs après. Voilà. Eux ils courent tous mais moi je suis derrière. Je suis derrière à la traîne. Nocto, kore kininaru nda kedo sa. Un behemoth surnommé Morteuil sévit dans la forêt. 25 000 gils de récompense à ceux qui le tueront. Ok, bah cool. Parfait, on a besoin de ce pognon donc en fait on est obligé de le tuer quoi. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a juste une affiche, tu vois, il y a un panneau au milieu de nulle part avec une affiche. Et c'est celle qui nous intéresse. Un petit entraînement. Ouais, je veux bien apprendre les bases par contre, ouais. Complètement. Parce que là, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Le mode offensif et le mode défensif. Ok. Le mode défensif L1 permet d'esquiver les attaques automatiquement en dépensant des PM. Alors. Entraînez-vous à esquiver les coups de Gladiolus. D'accord, donc c'est ça là. Ah, oh, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre en fait. D'accord, ouais. À proprement parler, on dirait pas que t'as une garde, mais en fait, si tu l'as. Par contre. Ok, alors c'est bon, t'as terminé ou. On peut passer à la suite peut-être. Voilà. Noctis se bat en invoquant des armes. Ok, le mode offensif carré vous permet d'attaquer au coup par coup pour faire une série d'attaques en battant la touche appuyée. Alors carré. Okay. Okay. Ah oui d'accord, en fait c'est encore mieux qu'avant, t'as même pas besoin d'appuyer sur carré quoi. Enfin, avant t'appuyais plein de fois sur carré quoi, spammer ton bouton, mais là tu restes appuyé en fait. D'accord. Apprenez bien à utiliser le carré, voilà, mode offensif et en fonction de la situation. Poursuivez l'entraînement. Ouais, en gros là ça va être. Okay. D'accord. Regarde, on va attendre qu'il attaque. Hop. Boum. Hop là. Alors. Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, par contre, la caméra elle est un peu lourde. Y a pas de lock auto en fait, j'ai pas trouvé encore lock auto. Eclipse et compétences. Noctis peut utiliser différentes aptitudes en dépensant des PM. Ah ouais, c'est ce qu'on voyait dans les trailers. De se téléporter en projetant son épée. D'accord. Croix.
Vos PVPM remontent rapidement quand vous êtes en hauteur. C'est quoi cette logique? J'ai plus de vie! J'ai plus de magie! Vite de la hauteur! C'est quoi cette merde? Cibler, maintenir, R1. Ah bah le voilà mon Locoto! Assaut Eclipse. Boum! Qu'est-ce que tu dis de ça? Faites un R1 croix, assaut Eclipse quand vous vous rapprochez d'un adversaire. Ok, donc attends. Hop là! Un Eclipse! Enfin, assaut plutôt, Eclipse. Vous devez également dépenser des PM pour utiliser la compétence affichée en bas à gauche de l'écran. Quand vous changez... Hein? Quoi? Okay. Hop là, désolé. Alors, compétence. La lame vampirique. D'accord. Et ça fait là. Ah, il me faut des PM. Attendons d'avoir 30 PM. Ouais, c'est complètement con, tout dépense des PM. D'accord. Ah, mais là, t'as l'air d'une bite. Vous pouvez accélérer la chasseur des PM en utilisant l'action contextuelle L1 près d'un obstacle. Action croix pour aller en hauteur. En gros, quand t'es en mode défensif, tu peux... Quand t'es en défensif, tes PM remontent plus vite. C'est un peu de la triche, mais ouais. Gérez vos PM judicieusement afin d'éviter de vous retrouver à court quand vous en avez plus besoin. Ouais, ça c'est logique. Combattez en utilisant assaut Eclipse et des compétences. Alors attends, parce que... Tourbillon. Ok. Boum! Hop là, désolé mon petit. Hop là, oh! Pas mal, joli coup. Ah, c'est... Attends là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est fini déjà? Ah, ok. Quoi? Ok. Ah, je me disais, je suis pas mort. Alors, les parades. Contre certaines attaques indiquées par une marque lumineuse, vous pourrez vous mettre en garde au lieu d'esquiver. Pourquoi est-ce qu'ils mettent la touche de parade avec, sur la même que d'attaque? Pourquoi pas? Marche pas très bien, Gladius là, Gladius. Attends, mais je comprends rien. Vas-y, reviens, reviens. Reviens encore. Je piche que dalle. Je piche que dalle. Ah, d'accord. Faut rester appuyé. Ah d'accord. Oula. Essayez de parer les attaques de Gladiolus. Gladius on va l'appeler hein, amicalement. Ok donc. En fait t'attends. Voilà. C'est marrant mais pas tant que ça en fait. T'as juste à attendre qu'on te dise c'est bon, tu peux y aller. Oh. Ah putain. Oh boum! Allez, reviens. Le changement d'arme. Ah oui, je veux bien ça. Chaque arme qu'utilise Noctis a ses spécificités. Par exemple, les épées à une main permettent de regagner plus de PM, les épées à deux mains d'afficher plus de dégâts. Ah, c'est pratique ça! Donc à une main, c'est pour les PM, et à deux mains, c'est pour les dégâts. Le style de combat, assaut, enchaînement, exécution, riposte, coup sauté. Accédez au menu des armes, d'accord. Choisissez l'action enchaînement et signez. L'épée à deux mains, Swayander. Ok, attends, là moi j'ai quelle épée du coup? Moi je veux celle-là à la place de... Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait. Ça veut dire que... Attends. Quand je suis en tourbillon, j'ai la Zweihänder. Ok. Boum. Ok.
Ah, raté. Recommence, recommence. Non, c'était pas comme ça. Wouah, 270 de dégâts. Putain, ça fait mal. Ok, bah cool. Notre entraînement est terminé, Gladius. Ou pas. Putain, combien de temps ça dure les tutos dans le jeu? Maintenant affronter dans un combat amical. J'aime bien amical, hein, non t'inquiète, on va juste se planter des épées dans la gorge. Et t'as profité ce que vous venez d'apprendre. Ah, oh, c'est tout. Ah bah alors, Glados. Boum, 535 de dégâts, qu'est-ce que tu dis de ça, l'ami? Non, désolé. Oh merde. On va m'avoir eu, hein! Assaut Eclipse! Ok. Voilà! Putain, là on enchaîne bien là. Ok, attends, ça veut dire que du coup. Ah bah. Je voulais monter là-haut pour voir comment ça fonctionnait le fait de recharger ses PM, mais j'ai pas eu le temps. Vous pouvez aider un compagnon en état de danger, j'ai appuyé sur croix pour qu'il retrouve des forces. Ouais, tu m'as bien aidé! Je veux bien... alors attends, croix. Tiens, de la poudre magique. Voilà. Fais-en bon usage. Temps 5 minutes, dégâts subis, parade 5. Bon. Ça paraît tellement ridicule, 200 d'XP. Dans un campement. Maintenant, reprenez votre chasse au behemoth. Ah, direct, chasse au behemoth. D'accord, j'ai gagné juste 200 d'XP. Hein. Pas comme si j'étais déjà niveau 30. Ou au niveau je sais pas combien. Ah, ils me remettent là? Ok. Wow. Putain. La créature derrière. Oh. Votre quête maintenant, nouvel objectif. Ok. Bon. Attends, couverture. Ah oui, d'accord. Ah, trop bien. Alors moi, ce que je veux regarder... d'accord, très bien. Ce que je voulais regarder, c'était un peu la qualité du décor. Bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est grand, bon c'est un peu, peut-être un peu vide, mais quand tu sais qu'ils ont mis chaque brin d'herbe, chaque petit buisson à chaque fois, c'est bon. Il y a quand même du boulot derrière, mais non, c'est sympa. Tōtetsu to iu monster da. Ano serudoi kiba wa emono ni tsukitate. Suwana kara hikidashite taberu rashi. De féroces créatures dotées de défenses aiguisées, elles se jouent des proies les plus lentes grâce à leur agilité. Bah attends, déjà je vais regarder ça moi. C'est quoi ça? Ah d'accord, en gros tu trouves des trucs. Bout de métal rouillé, ouais. Je pense pas que ça vaille 25 000 $. Bon bah attends, on va aller s'occuper d'eux. Une jauge d'alerte s'affiche. Ouais, ça veut dire qu'en gros t'es près de l'ennemi, ça encore. Non mais moi je veux me battre, hein. Je peux pas me battre? Ah, c'est... Parade. Lance éclair. Ah. Ah. C'est un peu... C'est ça le Lokoto, je comprends pas. Non, c'est... Ah, c'est un peu bizarre. Assaut éclipse. Voilà, on les a eus. XP total 204. Bien. Putain, mais c'est quoi ce machin? Je suppose que vu que c'est une créature, on peut l'affronter. Oh, ça fait peur, je veux pas y aller tout de suite. Hein. Ça me fait peur, tu sais. Non, non, on va pas... Mais je veux quand même bien voir si ça fait quand même comme une créature. Ou... Allons voir cet énorme truc. Oh. On peut pas y aller. Un mur invisible. Bon. Bah écoute, au moins comme ça c'est cash. Attends, peut-être en passant par là. Oh, couverture, elle a... Ouais. Ah non, on peut pas aller le voir. D'accord. Oh, tant pis, j'aurais bien aimé voir un peu à quoi ça ressemblait de près. Attends, il y a une petite cabane là. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans cette cabane. Ah, c'est toujours la même chose. Ah non mais le behemoth pour l'instant je m'en fous, je veux juste jouer tranquillou. Hein. En tout cas j'aime bien niveau perso. Ah attends, juste.
Ouais, ils ont déjà enlevé dans une vidéo de trailer, en fait, on voyait sous leur godasse une vieille tache rouge. Là, enfin, ça faisait un gros truc, une semelle rouge dégueulasse fluo. Ils l'ont enlevé, je suis content. Au niveau des persos, ce que je disais, ce qui est rigolo, c'est que t'as l'intello, le gros gaillard, là, voilà, le monsieur muscle de la bande. Moi, le beau gosse ténébreux, voilà, cool. Et, ben, lui. Voilà, rien à dire de plus, lui, ça a l'air d'être le... Un peu le mec qui met l'ambiance, le déconneur. Ouais, c'est pas mal. On va voir un problème. Bon, poussez-vous. Ah bah écoute, on va y aller, hein, merde. Allez. Ça a l'air tout mignon. Les garulas sont des pachydermes très répandus. Ok. Ils sont d'ordinaire paisibles mais attaquent en troupeau si on les menace. Bon, pour l'instant, on va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un truc. Je suppose que c'est une trace du behemoth, non? Je sais pas, j'imagine. Là, c'est quoi? Marécage d'Alstor. Trouver la Magilite dans le ma... C'est quoi la Magilite? Merci de m'expliquer ce que c'est. La Magilite. Bon bah cherchons Magilite, hein, je sais pas qui c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Ok. Oh putain. On va éviter de faire chier le troupeau parce que... Attends, mais ça, là-bas, c'est quoi? C'est la quête principale, là-bas? Ok. Oh, mais c'est bon, ils vont pas nous attaquer, voilà. Ils nous attaqueront que si on les attaque, hein, je pense. Oh, putain. Bon, celui-là, il en a des cornes. Hein. Ouais, bon, on s'en va, hein, t'inquiète pas. Alors, j'ai cru qu'il allait me foncer dessus au début. Donc il y a encore une cabane là. Qu'est-ce qu'on a? Des empreintes! Vers la forêt. Ah, il faut aller vers la forêt donc. Ok. Chercher le behemoth dans la forêt. Ok. Est-ce que je peux rebouger? Ah mais il faut aller dans le menu principal, objectif. Trace du behemoth. Voilà, moi je veux chercher d'abord le... Ouais ça, le truc dans le marécage. Oh. Allons chercher dans ce qu'il y a dans le marécage là, je veux voir ce que c'est. Les soldats Magitech sont des androïdes produits en masse par Niflame. Il faut exploser leur générateur quand ils sont sur le point d'être vaincus. Ah putain, génial. Le type d'ennemi que j'aime pas, quoi. Oula putain, par contre. C'est dur à dire, mais des fois on voit de l'aliasing, des fois on en voit pas, c'est un peu bizarre. Par contre, j'ai pas vu où est-ce qu'ils étaient posés. Ah, ils sont... D'accord, ils sont juste là. Ah bah, on va aller leur dire coucou. Allez, on va aller leur dire coucou. Venez, bonjour. Bon, les gars, si vous pouviez venir m'aider, ce serait très gentil de votre part. Hein. Voilà. Assaut Eclipse. Okay. Boum. À moi. Ah, je suis mort. Ok. Ok, ça commence bien. Vos actions sont alors limitées, les dégâts vous font perdre des PV max. C'est le game over. Utilisez une potion, utilisez des objets pour en récupérer. Et ça me va.
Ok, le mec il a carrément un flingue. Un flingue dans un FF. Putain, ça va quoi. Notez que Noctis récupère des forces automatiquement. Ce qui est con, c'est qu'à chaque fois, ça utilise des PM, c'est un peu bizarre. Ok, bon. Avançons. Où ça? Ah, y'a un truc. Putain, y'en a bien des choses. Finalement, c'est plus rempli que ce que je croyais. Examinez. Lac d'Alstor, trésor de Duskei. Les états bénéfiques du jour ont pris fin. Campez dans un sanctuaire si vous voulez en obtenir d'autres. Alors on dort où? Non mais ça va. Putain, vous voulez déjà camper les gars? Oh, j'ai à peine de commencer à jouer. Et comment on fait pour camper? Bon, je suppose qu'on va devoir reporter le reste à demain. Non. Attends. Ah, ça c'est le menu de combat. Ah, c'est là. Objectif. Les quêtes. Non, campement. Il y a un campement juste à côté, c'est bien ça. Allons-y. Il y a un campement là-bas. Allons dormir. C'est moi ou est-ce que c'est un feu de camp qui est déjà là ou... Ouais, on dirait qu'il y a de la fumée. Allons voir. What the fuck? Voilà, campement. Oh putain, c'est quoi ces marques là sur les... C'est quoi ces marques sur les cailloux? C'est un campement ça? Eh, hey, venez les gars, on campe sur des espèces de marques aliens voilà, au milieu de nulle part. Ah, putain, ça donne vachement envie. Ah putain, si tu dors pas, tu peux perdre tout ton XP. Que voulez-vous faire? Dormir, combat amical? Non, c'est bon. Annule les quêtes secondaires en cours. Ah mais c'est pas bien grave. Je les reprendrai demain les quêtes. Enfin demain. Je les reprendrai après la nuit. Ragu, Doe, Piornis. Je sais pas quel goût ça a. Mais... Ah. Putain mais elle tombe bien vite la nuit. Il pourrait l'augmenter un peu. En forme. Résistant. Ok, j'ai des bonus apparemment. Campement, sanctuaire d'Ozas. Vous ne pouvez pas apprendre des compétences dans la démo. Merci. Alors. C'est quoi ce bordel? Pourquoi c'est moi le freluqué de l'équipe là? Niveau 4, niveau 14, niveau 15, niveau 9. Putain, mais c'est une honte! Mais c'est quoi? Ouais, et puis c'est vachement logique. Le mec au niveau 15, il a besoin de 610 pour monter en niveau. Moi, du niveau 4, qui a rien, qui a presque rien en barre, il me faut 480. That logic. Bon, en tout cas, on a récupéré des bonus. Oh putain, arrêtez de monter en niveau, les gars. Niveau 6, 14, 16, 10. Bon, bah c'est bien. Putain, on monte vite en niveau dans ce jeu. Oh putain, la musique quoi! Oh génial la musique quoi! La musique de FF7. Vous pouvez obtenir divers effets bénéfiques grâce au dîner que vous prépare Innis en fonction des aliments que vous trouvez ou achetez. Ok. Donc j'ai rempli mon objectif. Maintenant il fait jour. Nous pouvons donc reprendre nos objectifs en cours. Hop. Alors d'abord je voulais. Ah, j'ai plus ma quête. Ah oui, c'est toutes les quêtes secondaires. D'accord.
Bon. Alors il y a plein de trucs qui laissent indiquer que le behemoth est dans le coin. Bon bah allons chercher ce behemoth, hein, même si je trouve que c'est un peu tôt. Attention, pour l'instant c'est juste de la traque, c'est de la chasse. Bon, en tout cas, c'est pas mal, hein. C'est assez sympathique. Oui, j'ai vu. Hop. Petite plume. Ah, un truc là. Donc à chaque fois qu'ils découvrent quelque chose, ils vont me dire ça, ok. Enfin, sauf que quand même que je peux le voir. Chercher le behemoth dans la forêt. Ok, on va faire les deux qui sont devant nous. Allons par là. On doit trouver ce behemoth. Oh putain, le... That sun, bro. Praise the sun. Alors, attends, est-ce que je peux au moins passer par là ou est-ce que c'est complètement impossible? Par où je dois passer? J'aime pas avoir du relief dans les jeux, c'est quand tu dois contourner comme un sac. Oh. En tout cas, c'est pas mal. Franchement, moi j'aime bien comme ça, c'est cool. Bon, après, j'espère vraiment que la nuit elle tombe. Qu'est-ce qui se passe? R1. Y'a quoi? Ah, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Un objet à la con? Ok, d'accord. C'était une trace sans que je voulais la trouver. Sap that store. Ok, cool. Alors du coup, on est toujours sur notre... Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, j'ai fait un petit détour. Bon, bah tant mieux, de toute façon, je la voulais, cette trace. Je suspecte des ennemis dans le coin. Je ne sais absolument pas où ils sont, mais... Ah là. Trouver un chocobo sauvage. De prime abord, le gameplay ça te force. Enfin, ça te force. Ça t'invite vraiment à spammer comme un con. Hein. Regarde ça. Je fais rien là. Je reste appuyé sur carré. Ouf. Que c'était compliqué. Assaut Eclipse. L'âme vampirique maintenant. Boum. Oh, très efficace. Ok. Bonus d'XP 199%. Putain, génial. Ça va être le feu de camp qui fait ça. Du coup, attends, on va essayer de chercher le chocobo là. Putain, je voudrais bien voir à quoi il ressemble dans ce jeu, les chocobos. Ah, je voudrais bien voir un chocobo de ce jeu quand même. Voyons voir à quoi ça ressemble. Ok, hein? On a fui, c'est pour ça qu'on a rien gagné ou... Ouais, bon, pourquoi pas. Ça, on est de mauvais chasseurs. Oh, oh! Ah, yeah! On peut en chevaucher un pour voir. Non, reviens, Chocobo! Chocobo! Putain, et là j'ai les musiques de la saga du 13 dans la tête. Chocobo. Bon, on peut pas les chevaucher apparemment, tant pis. Oh bah ça va, ils ont pas une gueule de dindon comme dans la saga du 13 là. Putain, ils sont jolis en plus ceux-là, ils sont de très belles couleurs. Qui va parfaitement en adéquation avec le fait qu'on soit tous des putains d'émo. Ah. Ne touche pas au chocobo, connard!
Je vais t'apprendre la politesse. Ok. Ah putain merde, je pensais que je l'avais tué. Putain, vous l'avez carrément paralysé. Parfait. Ah putain, il y en a encore. Franchement, pour les mobs de base, sérieux, tu restes appuyé sur carré, c'est viable, hein, c'est moche, mais c'est viable. Putain, ah, trop bien, on a trouvé les chocobos. Bon. Oh, attends, du coup, là, oh, on peut aller le voir, lui. Allons voir. Ah, non, merde, il est encore trop loin. Oh, dommage. Ah, mais c'est ces créatures-là qui ont un vionnet de cochon, là. Ah, oh, oui, oui, elles ont un vionnet de cochon, c'est dégueulasse, regarde. Ah, oh, ouais, putain. Ah, oh, c'est dégueulasse, quoi. Pourquoi ils ont mis un nez de cochon, sérieux? Est-ce que c'est ça qui remplace les... Putain, je me rappelle plus, là, il y en avait qui ressemblaient... Des... Putain, qu'il y en avait dans, la... dans le 13 aussi, je sais plus comment ça s'appelait. Des grosses, grosses créatures énormes. Bon, c'est peut-être ça aussi. Alors, du coup... C'est là, on s'éloigne totalement de ce qu'on devait faire, hein, mais tant mieux, tant mieux. Prendre le bémote par... Alors, on va retrouver encore des traces de lui dans la forêt. Allons-y. Où ça? Où sont les ennemis? Oh, moi, je sais pas où est-ce qu'ils étaient. On va essayer de monter par là-bas pour reprendre la route. Putain, mais c'est dingue. Je vois pas du tout où sont les ennemis, mais eux, t'inquiète pas qu'ils me voient tout de suite, hein. Bon, en même temps, ça va, hein, on est 4 mecs en noir dans une forêt bien verte. Bon, c'est vrai que ça passe moyennement inaperçu, quoi. C'est par là-bas qu'on va aller choper la dernière trace, enfin, une des dernières traces du Behemoth. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire. Cette conversation était nulle. En quoi tu te réincarnerais moi-même? D'accord. Ok. C'est... Coupe court à la conversation. Ah, c'est bon. Tu veux voir quoi? Ah bah oui. Eh, si on allait voir ça! C'est pas du tout ce que t'as marqué en objectif de quête, hein, mais si tu veux, on peut y aller. Mon nom n'est déjà pas assez court, tu vois. Ils veulent encore le raccourcir, ça, moi ça me choque. Noctis, ah, c'est court comme nom, c'est... Non, non, Noct. Appelle-moi No la prochaine fois. Ok. Examinez les traces restantes. Allez voir ce qui se passe à 400 mètres. On va voir. Là! Assaut Eclipse! Voilà. Ok, on va. Ah merde, j'ai pas. Putain, attends, le lock. C'est vrai que j'ai pas bien compris comment. Il n'y a pas de lock auto, c'est bizarre. Bonus d'XP 270%, ok. Ah non, le bonus XP, je crois savoir ce que ça doit être. Plus tu tues de mobs, plus le bonus d'XP doit être important en fait. Sans te reposer, sans rien. Ah bah c'est même pas mal en fait. Bon, par contre, normal qu'avec avec peut-être 10 niveaux d'écart avec le meilleur, j'ai genre autant de points de vie que la majorité. C'est vrai que cette notion de niveau est un peu chelou quand même. Enfin. Alors excusez-moi, j'ai un coup de fil. Ok, nous revoilà. Et nous revoilà un petit moment après pour continuer donc. Voilà. Cette démo d'FF15. Alors pour vous, il s'est déroulé que quelques minutes. Hein. Enfin, quelques minutes. Le temps d'un fondu. Pour moi, plusieurs minutes, j'allais dire. Voilà. Donc, coup de fil professionnel. Hein. Excusez-moi, oui, professionnel, hein, pas personnel.
Donc continuons par là. Alors je sais même plus où est-ce qu'on en est là, j'ai un peu perdu le fil. Là je suis... Moi qui voulais faire ça d'une traite et tout, non, que dalle. Bon. Du coup je me suis totalement perdu puisque je sais pas de... Là ça fait combien de temps que j'enregistre, donc je sais pas... Bon on verra bien. On va jouer encore une grosse heure et puis... Et puis voilà. Putain mais j'aime bien, ils discutent tout le temps. Ils discutent tout le temps mais pour rien dire. Oh là. Ah, il y a un truc ici. Écaille de dragon, ok, bon. Très bien. Des ennemis là. Assaut Eclipse. Ah, c'est plutôt pratique pour se téléporter directement à côté de l'ennemi. Putain, par contre là, il y en a beaucoup. Il y en a un peu beaucoup d'ennemis. Alors attends, assaut Eclipse. Ah. Bim. Ça c'est fait. Alors est-ce que j'ai autre chose au tourbillon? En fait c'est con, j'ai que l'assaut Eclipse, j'ai pas autre chose en attaque là. Ah c'est un peu dommage. Je comprends pas bien ses compétences, comment elles fonctionnent, comment... C'est un peu bizarre. Voilà. Crive de Tauti. Boum. Ça, c'est bon. Parfait. Très bien. Inutile de traîner, ouais, tu m'étonnes. Putain, il faut faire tout le tour. Pour ça, je disais tout à l'heure, j'aime pas quand il y a des reliefs comme ça dans les jeux, parce que t'es obligé de les contourner, tu vois. Que ce soit comme dans Skyrim ou autre chose, t'es obligé de tout contourner, de faire des détours énormes. Alors que moi, j'aime bien... Je me dis, je vais aller là, j'irai là. Tu vois, c'est y a pas d'autre problème. Ah. The fuck. Oh. Oh, il est passé par là. Oh, le chaton, il est passé par là. T'sais, ils flippent même pas, que dalle, ils sont... Non, non, t'inquiète pas. L'antre du Behemoth est un endroit dangereux. Dormez si vous avez besoin de reprendre des forces. Ouais, t'inquiète, c'est pour les faibles de reprendre des forces. Nous, les forces, on les a toujours sur nous, on les perd pas. J'ai ramassé l'objet. Non. Voilà, petite plume. Imagine que tu marches dans la voiture. Mais du coup là faut aller par où? Oh putain. Oh putain, c'est quoi cette armée là? Ok. Percée puissante, il me faudrait. On va essayer de voir si ça marche. Putain, mais je comprends pas ce que. Non, mais je comprends pas ce que je. Honnêtement, j'ai pas trop capté le gameplay, le système là. J'ai compris les attaques de base et tout, mais c'est tout quoi. Car comment on sert d'une. Ah bah voilà aussi, je suis trop con. Tu sais, je me disais dans ma tête, mais c'était triangle pour ça. Ah bah oui, bah, si je fais pas triangle, ça marchera pas. Un peu de vie, il me faudrait, donc l'âme vampirique. Merci. Allez, viens. Parade, lance éclair.
Ah, bon bah en deux secondes en fait je remaîtrise largement le gameplay, ça va. Bien. Oh, ce coup de fil m'a un peu perturbé, hein, je suis désolé, c'est tellement rare que je reçois un coup de fil professionnel. Du coup. On va aller par là, ramasse. Petite plume. Petite plume. Putain, mais il a pété un chocobo avant de venir ou... Avancer. C'est marrant que ce soit le gros musclé là qui me dise oh, attends, fais gaffe, réfléchis avant d'agir. Ça fait trop ça quoi. Oh là là. Allez, go. Non, t'as un chien! Il est énorme! T'as cru qu'on allait le tuer? T'as cru qu'on pouvait vraiment le tuer? Là, je regarde pas que son œil, là, mon gars. Je regarde les muscles, les tissus, les cheveux, les cornes. Oh. Non mais tu veux vraiment... Non mais allez-y tout seul les gars, moi je vais vous regarder, hein. Je vais vous apporter l'eau et les serviettes à la fin du match, mais... Oh là là, non quoi. C'est énorme. Oh. Tu sais, dans ma tête, un Behemoth, je sais pas, je voyais ceux de la saga du 13, ils étaient tout petits. Il nous a vu, il faut l'attaquer. Non. Genre il nous a pas sniffé quoi. Oh là 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 là. Ok. Ouais, bah j'arrive. Hey. Eh bah voilà, nous voici libres, et maintenant on va où? Faut le poursuivre. Tu veux le poursuivre par où? Par là? Et on le rejoint un peu plus loin. Assaut Eclipse! Hop. Oh merde. Attends, mais en fait je... Un jour je comprendrai comment fonctionne le lock de ce jeu, mais en attendant... c'est la galère. En attendant c'est un petit peu la galère. Boum! Non, je dois ça dans la poire. Voilà. Et là, je suis peinard à appuyer sur carré. Voilà. Boum. Il faut quelque chose. Tourbillon. Ok, ça a servi à quelque chose ou à rien? J'ai l'impression que ça a servi à rien. Voilà. Ah, il y a un truc à ramasser. Oh, un truc à ramasser, comme c'est génial. Voilà, toi t'es presque mort. Il me faut de la vie. L'âme vampirique. Merde, pourquoi je fais rond? Ça. Ah, beaucoup mieux. Percée puissante. Voilà, je l'empale.
En plus, ils sont à moitié stun quand tu les attaques, ça c'est génial. Voilà. Ok. Merde. Aidez. Allez, viens. Un peu de poudre magique et c'est bon. Eh, il y en a des bleus maintenant. Ok, ça a pas rigolé, ça a pas rigolé bien longtemps. Aïe. Merde. Parade. Lancé éclair. Ça, c'est fait. Ok. Oh putain. Putain, mais il n'y a pas de Locoto, c'est trop bizarre. Percée puissante. Voilà. Ah, je croyais qu'on les avait tous eus, mais... Allez, Gladius! Où est-ce qu'il est? Je l'ai perdu. Voilà. Ok, bah il est mort. Bah voilà. Putain, c'est le merdier, hein. Bon, je sais, pour certains, je joue très mal, hein, bon... ne me jugez pas. Première fois, toute première fois que je joue la démo, hein, vraiment, donc. Après, je maîtriserais sûrement mieux le gameplay si ça faisait 2 heures que je jouais. Ok. Pas de bruit. Avancez, ok. Le groupe Emopunk s'avance lentement mais sûrement vers la forêt. Oh, des objets. Encore des plumes. A chaque fois que je ramasse des plumes, je pense au chocobo, je me dis merde. Voilà, putain, mais il a vraiment bouffé un chocobo. Oh là 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 là. Des plumes. Attends, comment tu... Hop là, voilà. Ça sent la zone de boss. Bonjour. Ah, ça aurait été une... Ouais, ça aurait été un bel affrontement, je trouve. Pas un bruit. Suivez le behemoth jusqu'à son antre sans vous faire repérer et sans le perdre de vue. Ok. Le behemoth est sur ses gardes. Éloignez-vous ou cachez-vous pour ne pas vous faire repérer. Chut, petit behemoth. Par contre, le brouillard, il est vachement épais d'un coup. Ok. Faudrait savoir. Oh. Comment tu veux que je le perde de vue? Il est énorme. Je veux dire, faudrait vraiment le faire exprès, quoi. Ok, il y a du brouillard, mais... Cette queue. On dirait un truc des profondeurs, je trouve, l'aspect qu'il a. On dirait une créature de l'eau, je sais pas, c'est marrant. On dirait pas, ouais, je sais pas, bizarre. Le design là, qu'a la queue, et puis. Ouais. Bon, enfin. C'est quand même marrant cet aspect track de créature comme ça. Ah non, je trouve que c'est bien marrant. On se doute qu'on en aura pas. Ça se trouve, c'est le seul dans tout le jeu. Putain. Et ils sont où mes potes, tu sais? Vas-y, Noctis, vas-y tout seul!
créature se méfie. Ah franchement là cet aspect là j'aime beaucoup. Mais à la base on chasse le behemoth mais on doit pas chasser le titan aussi. Ouais. What the fuck. Et là maintenant il fait grosse nuit, on voit plus rien. Alors c'est super les gars de nous mettre la nuit, mais sérieusement je vois plus rien là. Je peux pas mettre la luminosité un peu mieux que ça. Je sais pas, non. Bah, c'est bien une traque de nuit, mais si on n'y voit rien, autant vous que moi, je vois pas l'utilité, en fait. Surtout que je connais pas le degré de luminosité sur les captures sur la, avec la Vermedia. Avec l'HDP vert, par exemple, sur PS3, je savais que c'était extrêmement sombre. Faut pas se le mentir. Mais là, j'en sais rien. Petite plume. Je sais pas où il est. Ah, c'est bon. Ouh. Passer entre les rochers pour aller dans les ruines. Bon, bah, parfait. Au moment où je le perds de vue. Franchement, là, si c'est pas du cul. Avancez. Et mes potes ont totalement disparu. Allez. Ah bah, tu t'es téléporté toi, tu t'es dit allez non fuck it, je me téléporte. Ouais, enfin, c'est de ce côté là qu'il faut aller, hein. Vous êtes gentil d'avoir utilisé la téléportation de PNJ, mais... Une sauvegarde temporaire va être créée, vous recommencez à partir d'ici en cas d'échec. Ah, ça veut dire qu'on va l'affronter. Et que je ne suis absolument pas prêt pour cet affrontement. Je pense que vous êtes au courant, bon bah... Première claque au cul, je dirais, sûrement. Continue. Ouais, mais je suis pas vraiment pressé d'aller me faire botter le train, en fait, par ce mob. Enfin, ce boss, plutôt. Il va sortir là. Je peux pas me rapprocher, hein, pour ceux qui se demandent. On va se séparer pour lui tendre un piège. Ah bah oui. Merci. Merci les gars. Suivez Inis pour qu'il vous explique son plan. Ouais. Pourquoi je le sens pas ce combat? Prompto. Le mec il s'appelle Prompto quand même. Faire exploser le réservoir quand le behemoth en se rapproche et immobile. Ok. Donc il faut le faire rapprocher du réservoir. Faire exploser le réservoir. Donc ensuite il va pas être très content. Frapper le behemoth par surprise sur son flanc droit pour l'étourdir. Ouais. Ah c'est vraiment un bon plan. J'aime vraiment bien cette track behemoth, même si je me doute qu'il y aura qu'un ou deux trucs de ce genre dans le jeu, mais c'est vraiment excellent. Nocto. Ouais, moi je fais quoi? Ah ouais d'accord, moi je fais... Putain. Vous êtes sûr à propos de ça les gars? Attirer le behemoth en se téléportant et l'achever après l'explosion. Vous êtes sûr à propos de ça les gars? Non, sérieux? Oh... Bon bah... Oh. Ok... Oh, je le sens pas... Bonjour, excusez-moi, je cherche la ville la plus proche. Oh putain... Pourquoi j'ai seulement accepté ce boulot? Ah! Ah! Booyah, bitch! Boom! Quoi, c'est tout?
Ha, tu parles. Oh merde. Et il est encore extrêmement puissant et menaçant. Ça va, j'ai juste 4 côtes cassées, un genou complètement pété et une luxation de l'épaule, t'inquiète pas. Oh merde. Oh, bon bah allez go hein. Essaye d'attaquer sur son flanc droit pour profiter du fait qu'il ne voit pas de ce côté. Ouais donc à gauche. Ok c'est bon. Vulnérable. Ok. Ah putain mais y'a déjà Prompto qui est mort. Prompto bordel de merde. Allez remets-toi debout mon ami. Ok. Moi je suis presque mort. Ok. Hop. La vampirique. Ok, bon. Qu'est-ce que je peux utiliser pour m'en sortir? Une percée puissante serait pas mal. Allez, percée puissante. On va attendre que nos PM se rechargent. Oh putain! C'est bon? Voilà. Oh putain les gars! Merde! Non! Sauvez-moi! Sauvez-moi, nom de Dieu! Ah! Non ! Mais personne vient m'aider là ! Oh. J'ai pas regardé si je lui ai fait beaucoup de dégâts en vrai. Par contre c'est moi ou est-ce qu'il était genre complètement focalisé sur ma gueule ? Bon. On va retester parce que là c'est... J'ai pas eu le temps de voir, j'ai même pas eu le temps de voir l'étendue de sa puissance. Ou pas d'ailleurs. Bon. On va voir. Mais je me disais, mais c'est bizarre, ça me paraît vachement facile, tu vois. Ah bah tiens, le combat de boss qui s'enclenche. Bon. Allez. Alors, c'est bon. Ok. Ah ouais, j'arrive. Bon par contre, pourquoi on est plus que 3 là? Ah mais le quatrième il doit être plus loin. Ah il est là. Je connais pas leur nom alors attends. Inis, Prompto et Gladius, ouais. Ouais je l'appelle Gladius, ouais, on va l'appeler comme ça affectueusement. Gladialus ça fait long et c'est pas facile, c'est je sais pas. Prompto, ce nom de chiotte. Pour un personnage tout aussi moisi d'ailleurs. Ah du coup faut que je recommence toute la séquence évidemment. Bon allez. On va recommencer. Et si j'y arrive pas, on se casse, on augmente de niveau et puis on va faire autre chose. Oh, j'aurais bien aimé le tuer quand même. Je sais pas si c'est vraiment faisable de se le faire comme ça du premier coup ou pas en fait. Faire exploser le réservoir quand le bémote en se rapproche et immobile. Ouais, ça c'est bon. Ah mais notre plan est excellent. T'aurais dû le planter plus fort Noctis aussi. Tu le tapes comme une fillette, j'ose pas te le dire. Je suis Noctis, j'ai trop la classe. Et je suis bien le seul de cette équipe. Oh là là. Non, les autres ça va, mais... Et franchement, ils aiment bien mettre des noms de chiottes hein, dans les FF. Et pendant ce temps, toi, tu fais quoi? T'as trouvé le plan, c'est tout? Allez. Je le sens pas, les gars. Je sais pas pourquoi. Mmh.
Bonjour, je viens voler violer complètement votre maman. Putain, allez, allez, allez. En hauteur. Ah ! Eclipse. C'est dommage qu'avec ses pouvoirs, il fasse pas un allongement de son épée ou... Ce sera encore mieux. Putain. Oh, il se rebelle! Il est prêt à en découdre avec nous. Les hommes en noir contre la grosse bête. Ah bah c'est vous qui devrez arrêter de faire la sieste, hein, parce que quand je meurs, personne ne me soigne. Kiko. Ok, cette grosse créature. Alors, essayez d'attaquer le behemoth sur son flanc droit. Ouais, bon, ça je le sais déjà. Oh putain, mais oh, je me suis téléporté ou what the fuck? Bon, j'ai pas mal de PM. What the fuck, ça a rien fait du tout! Ok. PM épuisé. Ah, merci, j'ai remarqué. Merde. Prépare-toi! En fait, j'ai l'impression qu'il faut vraiment utiliser le décor à son avantage. Putain, il tient pas. Hein. Allez, prompto là, remets-toi et prompto! Ah! Ah putain, ouais, non, on fait vraiment pas le poids. Ah, attends, mais je peux toujours me déplacer, donc à la limite, on va se mettre ici. Un petit peu de heal. Ah, mais toi non plus, tu peux pas. Ah ouais. Bon bah, on est dans la merde. Putain. Oh yes. Je sais pas qui ou quoi m'a soigné, bon. Merde. Ok. Ah putain, il faut des PM. Oh. Bonjour. Au revoir. Il faut que j'aille soigner mes amis. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça va toi? T'as pas l'air d'aller bien. Ah putain, j'ai plus de PM, je peux plus rien faire. Ah non mais là on fait vraiment... Oh, oh. Je crois que ma colonne vertébrale est en 5 morceaux. De toute façon, je peux rien faire, je pouvais pas esquiver cette attaque. Bon bah tant pis. Game over. Bon, la bataille du dernier point de sauvegarde. Non, on va se casser de là. Ça sert à rien, on va pas se prendre 25 défaites d'affilée. Bon bah c'est bien. Non, mais de toute façon, il faut que je farm, il faut que je... Voilà. Faut que je monte un petit peu en niveau, faut que j'explore, faut que je fasse quelques petites quêtes à la con. Mais c'était intéressant ce truc avec ce behemoth, et puis bon, vu qu'on était... on l'a suivi au fin fond de la forêt, dans sa grotte, je me suis dit bon, on va peut-être essayer quand même au cas où. On va pas se faire chier à partir et revenir juste après, quoi. Donc bien, bien, bien. Donc, eh ben on va se barrer alors. Ah, je peux pas. En fait, les gars, moi, je veux me barrer. Je veux pas forcément aller là. Ah, mais moi, je veux pas y aller. Je veux pas le faire. Putain, je peux pas courir. Franchement, les phases où tu peux pas courir, tu fais que marcher comme ça, là. Plus sérieux, est-ce que je suis obligé de branler mes bras comme ça quand je marche? Non mais je veux pas y aller les gars. Est-ce qu'on peut peut-être se téléporter? Base.
Campement. Putain. Je peux pas me barrer, genre, tu sais, dire allez, on se casse. Parce que là, ça pue du cul si je dois recommencer. Ah, mais je peux pas me le faire. Ah, dernier lieu de repos. Je peux pas. Ok, cool, merci. Thank you, game. Suivez Inis, ça, je sais. Je m'en fous, je veux pas... Ah non, mais ça te lance obligatoirement là-dedans, en fait. Non, mais là, on fait clairement pas le poids, les gars. Je sais pas comment faire pour voilà. Les gars, vous avez vu qu'on a servi à rien contre lui hein. Bon bah tant pis, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo hein. Je sais pas comment faire pour Gradio. Je sais pas comment faire pour revenir avant. Il me lance directement dans la quête principale et puis voilà, t'es sans espoir de retour. On va le faire une dernière fois, mais vu la pâtée qu'il nous met, ça sert à rien de le faire. En fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse des parades contre lui ou des gros trucs, quoi. Les gars, je le sens pas du tout. Bonjour. Et voilà, et ensuite il va se réveiller, juste incroyable. Ah tiens, passé. Se faire péter le cul encore. J'essaie rien du tout, je me casse moi. Putain, rien de ça, complètement focus sur ma gueule. Bah, c'est bien, au moins comme ça mes potes ils peuvent essayer de faire quelque chose. Ah, ok. Attends là. J'aimerais bien c'est qu'il me fasse une grosse attaque en fait. On va garder la lame vampirique sur nous. Qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il faut aider le Prompto. Fuyez le Behemoth. Ah mais c'est... D'accord, c'est dans la logique. Ah non. Encore. Ah mais c'est dans la logique du truc, en fait je dois fuir. Ok. Alors on est là. Comment je fais pour activer une potion du coup? Partons. Bah ouais, je veux bien, mais comment on fait? Oh ouais, merci. Oh yeah. Go, 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 go. Ah! Salopard de merde. Dégage. Ah. Vite. Ouais, protégez-moi, protégez-moi. Ah! Ah! Oh non, 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 non. Allez, ouais. Non, mais non. Oh le quoi.
Non, epic fail. Epic motherfucking fail. Ah putain, mais j'y étais arrivé. Oh là là. Putain. Ah, je vais recommencer, je reste pas sur une telle défaite, une telle humiliation. Bon, ok, si je réussis pas ça, je pense que là, je serai bien baisé. Allez. Bon, bah, on va se rapprocher de la sortie, en fait. On va jouer au plus malin, on va se rapprocher de la sortie, et puis... Hop là! Oh, bah alors, petite créature. Inoffensif. Se barrer par là. Cette déclocation se présente, on se tire. Ah, j'arrive à peine à le toucher, j'ai l'impression. Putain, mais la vie qu'il enlève, oh, il pardonne pas lui. Ok, la démo. Ok, la démo n'a pas suivi. Ok, la démo qui n'a pas suivi ce qui s'est passé. Ouais, je veux bien sauvegarder. La démo, elle n'a pas du tout suivi le mouvement, hein. Allons camper. Ok. Ça, c'est bien un jeu vidéo, ça. C'est... Allons camper. Non, le bémote est juste à côté, mais t'inquiète, tu nous suivras pas. Ok, bon, le jeu n'a pas suivi les mouvements que je viens de faire. What? Pourquoi il y a la musique là, ici? Il y a plus rien, là, si? Ah, mais je me suis gouré de sens en fait. Voilà. Ah, mais forcément, si on met dans le mauvais sens de base. Donc, du coup, je peux revenir ici pour affronter le behemoth quand je veux. Ok. Si je retrouve mon chemin, soit en passant. Parce que là, il fait nuit. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas. C'est qui suis-je, où vais-je? C'est vraiment ce mode-là. Allez. Allons là-bas. 80 mètres. Allez. Nocto, chotto kitakure. Ah ouais, je sais. Chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'il m'indique des objets ou quoi, mais tu sais, les trucs marqués par des... Enfin, un marqueur de quête. Nocto. Vous pouvez parler au lieu de chuchoter. Parler au patron du relais des chocobos. Ah putain, je veux bien. Affronter à nouveau le behemoth. Oui, oui. Une autre fois. Hein. Bah, monte. Voilà. Une autre fois, on l'affrontera. Hein. Attends, merde. Attends, moi à la base, voilà, je vais me reposer. Oh, dormir. Repose-toi. Oh putain. Ah ouais, non, bien mérité là, le repos. Oh, croque-madame. Croque-moi, madame. En forme et motivé. Eh ben écoute. Voyons voir un peu les niveaux. Ah bah c'est déjà un petit peu mieux. Hein. Ouais, on est toujours à des niveaux de merde, mais bon, c'est toujours mieux. Ah ça c'est excellent, motivé, augmente les chances d'infliger des coups critiques. Ça c'est génial. Parfait. Bon, alors du coup, quel est le prochain objectif qu'on va se faire? Relais des chocobos, ouais. Ça m'intéresserait bien.
Ah ouais, mais ça a 10 bornes. Enfin, 10 000 bornes, quoi. Station Alstar. Même la station, elle est plus proche, là. La station Koenix. Trace du Behemoth, ça, on s'en fout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Le plus proche, c'est la station, mais j'aimerais bien aller voir le relais Chocobo, là. Bon, allez. Relais Chocobo, rien à foutre. Here we fucking go! Allons voir ce relais. Oh, mais t'inquiète pas, ils nous attaquent pas, eux. Ils sont gentils, ils sont mignons, ils sont tout doux. C'est des bébés mammouths tout doux. Ah, c'est pas mal, hein. Après, on pourrait regretter le fait qu'ils fassent. Enfin, il faille marcher pendant quelques minutes pour atteindre chaque objectif, mais bon, sans ça, on va pas faire de. Enfin, on farme pas, on fait pas d'XP, donc ça sert à rien, quoi. Bon, on aime ou on aime pas ce côté-là. Bon, personnellement, vu que c'est une démo, ça me dérange un petit peu. Mais dans le jeu complet, quand je serai tranquillement en train de jouer, non, ça me dérangerait pas vraiment, quoi. Enfin, surtout si on XP aussi rapidement, parce que franchement, putain. Ça va quoi, tu fais quelques combats, ça y est, tu augmentes de beaucoup de niveau. Oh non, là je suis assez content. Bah, finalement on atteint assez vite, on a déjà fait la moitié là en l'espace de quoi. Parce que c'était à plus de 800 mètres, là on est à 400 bientôt, ouais, non, on atteint assez vite le truc. Hop, voilà. Oh oh. Qu'est-ce qu'on doit attaquer là? Tu vois ça, je comprends pas là. Qu'est-ce qu'on attaque là? Ah, c'est encore. Ça, c'est... les combats, j'aime bien. C'est honnêtement le. J'étais très sceptique là-dessus, mais finalement ça passe bien. Mais par contre, tu mets 10 ans à comprendre ce qui se passe et à essayer de suivre l'action. Hein. Honnêtement, je sais pas, c'est un peu difficile. 49 d'XP, ouais, ça c'est pourri par contre. Voir quoi? Y'a quoi là? Qu'est-ce qui me bloque là? Et ben quoi? Oh, un peu de sang. Ouais, mais on s'en fout maintenant, on a trouvé assez de traces pour le trouver. Ce foutu behemoth. Mais j'aime bien, t'as deux petites taches de sang, quoi, pas plus. T'es... là. Ok, examiner les traces restantes. Je vois pas à quoi ça sert, mais. J'en vois pas l'intérêt. Là, je les ai vus. Bonjour. Comment allez-vous? Ah. Et, allez. Voilà, ça, c'est fait. Boum! Un petit peu de vie enlevée et regagnée pour moi. Regarde ça. Bim! Effet tourbillon! Ils sont bien marrants tous ces trucs, hein. Pourquoi par réflexe j'appuie plein de fois sur carré alors que j'aurais besoin que de rester appuyé dessus? Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'à moi que ça le fait. En tout cas, c'est une très très belle démo. Très sympa. Ah. Il reste quoi à tuer? Ah. Boum. Esquive.
plantage de bâton. Ah, 215 d'XP, ça c'est mieux. Bon bah finalement on arrive assez vite aux objectifs, hein, ça nous fait faussement peur en fait. Oh putain, bien. Une petite caravane, une petite maison. Bien. Oh. Je sens qu'on va se plaire ici. Des chocobos. Ah, ils sont bien là. Ah, ils avaient une gueule de dindon dans le 13. Ah là, ça va. Ah, ils sont plus fidèles à ce qu'on connaît, quoi. Ah, classe. J'espère qu'on peut les chevaucher. Puis ouais, il y en a 4. La petite musique me dit quelque chose. Vous voulez une santé, c'est nos gâteaux aux légumes d'Isal. Magasin. お兄さん方は旅の途中かいろんな Oh putain, ça c'est aussi pareil, ultra cliché, mais c'est génial quoi, moi j'adore. C'est du genre, tu vas voir le premier mec, tu sais, au premier magasin que tu croises, n'allez pas à la grotte, mais sinon bonjour. Pourquoi ils sont pas disponibles? Vous pouvez acheter tous les aliments de ça à préparation des dîners dans les magasins. Acheter. Jambon, œufs, blanc, orteil, dégir. Oh. Viande de... Oh, de la viande. Ouais, ça coûte cher de la viande, par contre. Bon, les gars, un peu d'économie, hein. On va acheter... On va acheter des œufs et du jambon. Plein de jambon. Un peu de ça aussi. Puis voilà, ça devrait aller. Qu'est-ce que je peux te vendre? Rien. Ah, griffe de machin. Ah, bout de métal rouillé. Je vais tout te vendre, non? Ah non, d'accord. Ah putain, j'ai inversé les trucs, moi. Allez. D'accord, donc ça vaut rien. Ça vaut beaucoup, donc. Hop. Des petites plumes. Écailles de dragon. Je te vends mon écaille de dragon, vieil homme. Et on va acheter un orteil. Puis on va acheter ça aussi. Voilà. Ah, la prochaine, c'est ça. Ah, comme ça au moins tu pourras cuisiner des trucs. Je sais pas qui cuisine d'ailleurs. Oh, hey. Bonjour. Moi c'est Raven. Ah bah non, mais reviens. Si. Foutre en l'air leur repas ou non? Écoutez, attends, mais c'est moi ou cette fille est juste une totale copie? C'est pas genre une totale copie de celle que j'ai essayé d'aborder? Bon, c'est peut-être moi qui rêve, hein, je sais pas. Ah bah écoute, c'est plutôt pas mal ici. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas avoir les chocobos, j'imagine que c'est parce que c'est la démo, et voilà. Oh, c'est con. Et la voiture, j'imagine qu'on peut pas la piquer. Gladio. Oh yo. Non, on peut rien en faire. J'aurais pensé qu'on puisse la piquer ou quoi, tu sais. Parce que l'autre, il arrive vers la voiture, il fait hey, Gladio, viens. Petite plume. Ok. Hop.
Qu'est-ce qu'il y a à visiter ici? Petite plume. Très bien. Petite plume. Bon. Il n'y a pas grand chose à faire ici. Objectif. Ah oui putain, il y a la grotte là. Est-ce que je vais à la grotte? Ouais, allez, de toute façon elle est à côté. Ok, donc cherchons notre route vers la quête principale. C'est où? Là-bas. Là-bas, là-bas, la quête principale. Enfin, la quête principale, non, pas vraiment, mais... Alors, n'y allez pas si vous tenez à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça va être un gros mob qui va me faire chier, ou est-ce que je suis capable de le tuer avec le niveau pitoyable que j'ai actuellement? One way to find out. Est-ce qu'on peut se faire renverser par une bagnole? Quelque part, je dirais c'est un peu dommage qu'on ait pas une petite musique de fond là, mais en même temps, qu'est-ce que ça nous gaverait la musique, t'sais, à force de l'entendre en boucle pendant qu'on se promène. Je pense que ouais, c'est un mal pour un bien, tu vois. 200 mètres. Tac, tac, tac. Ah, la semelle, elle est toujours rouge, mais ça fait moins gros rouge qu'avant. Assaut Eclipse. Allez, on s'inquiète pas et on leur défonce le popotin. Voilà. Même le lock il met 10 ans à trouver le... où est l'ennemi. Voilà, ça c'est fait. Ouais, y'en a plus. Je me disais, y'en a encore autant. Allez, à la Skyrim, ron ron ron. Encore? Oh, sérieux quoi. Ah! Je crois que j'aurais mieux fait de faire une parade sur ce coup. Ok, allez, attaque, non? Boum! Sur des ennemis comme ça. Voilà. Allez, toi, je t'achève. Allez, il faut l'achever. Le gibier. Ah, ça c'est bon. Merde, je voulais ramasser l'objet à la base, mais je... Oh putain. Oh putain, c'est l'armée ça. Ça c'est encore les mecs de l'armée ça. Bout de métal rouillé, parfait, ça vaut cher ça. Tu sais, tu te dis ça vaut absolument rien, non non, ça vaut cher. Voilà, évidemment, monsieur a peur. Hein. Allez jusqu'au fond de la grotte. Non, moi je veux aller voir ce qu'il y a dedans. Oh putain, ça s'annonce pas bon ça quand il y a des sauvegardes temporaires. Hein. Oh là là. Fais pas ta chouchotte, Prompto, on y va. Chauve-souris. C'est par où, c'est par là? Hey, Nocto, quoi? Mais y'a rien.
Il me dit regarde, mais y'a rien. Oh, on peut se faufiler. Yank, ah, faut pas être trop gros. Hein. T'es en haut. Le mec, ils sont tous tout minces, quoi. Ils font tous 45 kilos tout mouillés, t'inquiète pas, ils passent tous. Hein. T'as, par contre, il a un nez Noctis. Putain, oh, c'est... son nez, c'est une équerre, quoi. Allez. Alors, sérieux, regarde, son nez, c'est... Ah, je peux pas tourner la caméra. Je peux pas tourner la caméra, très bien. Enfin, si, mais... Ouais. C'est grave. Oh oui! Des lutins! Tourbillon! Boum! Moi j'ai un peu raté mon coup, mais. Voilà. Ça c'est bon. Attendez, je veux ramasser ça. Voilà, bout de métal. Il y en a encore ? Là. Ok. Voilà. Ben alors, cette attaque surprise, très bien passée. Je sais pas d'où est-ce que sortent ces créatures, mais... Wouah, 779 d'XP ! Ça gagne trop bien ! Et en plus, c'est trop facile à tuer. Gardez votre sang-froid, gardez votre sang-froid. T'inquiète pas, je le garde, mon sang-froid. Tourbillon, tourbillon. Ah, merde. Ah là là. Ah, merde. Vulnérable. Merde. Oh ! Vol potion. Il m'a volé une potion ! Merde ! Les gars ! Un petit coup de main, les mecs ! Ouais, merci, j'ai un truc bizarre là sur moi. Ah, ok. Bon. Finalement, c'est plus dur que ce que je croyais là encore en nombre. Mais ça nous fait plein d'XP. Putain, mais c'est quoi ce machin violet là sur nous? Ils nous ont mis une espèce de malédiction au coin de la gueule. Là, je reste concentré là, putain. Oh. Je pensais que ce jeu se faisait les doigts dans le nez, finalement. Oula, oula, il est plus gros celui-là. Ah putain, à chaque fois je veux faire rond, je crois. Que... Ok. Oula. Il y avait des lumières un peu cheloues là-bas. Allez, plus qu'un. Mange! C'est bon, je l'ai eu. Ça veut dire non? Putain, mais bougez-vous! Il est là-bas! Putain. Voilà. Putain, heureusement que la téléportation est là. Ah, c'est compliqué de faire ça. Bon, Putain, et lui, il lui reste un PV, quoi. Oh, c'est pas grave, ça lui suffira. Ça lui suffira pour en continuer. Où est-ce que cette crotte, mec ? Pas de quartier. Bon. Eh ben, vous savez quoi faire, les filles ! Ah,
Voilà. C'est bon, toi, t'es sauvé. Merde. Percée puissante. Oh putain. Merde. Un vrai gros sac à merde. Putain, mais je leur fais des dégâts. Voilà. Oh putain, mais l'XP, j'espère qu'il va être bon là. Mais c'est quoi ce machin violet là autour de moi? C'est du poison? Ah, c'est du poison. Je dois avoir un objet antidote. Voilà. Jolie pièce, ok. M'excuserai, j'ai besoin d'un petit peu de vie. Et voilà. Ça c'est bon. Allez, donne-moi encore de la vie. J'ai jamais testé sauf ce que c'était. J'ai pas vu le nom, j'ai pas forcément envie de tester. Ça a l'air pourri. Voilà. Alors attends, il faut aller. Non, il faut aller par là en fait, c'est bon. Oh putain. Fuck. Faut quand même pas se laisser tomber. Oh putain. Oh. Bon. Eh ben. Here we fucking go. Lune croissante! What the fuck? Je l'ai eu là? Boum. Mais qu'y a-t-il au bout de cette grotte? Allez, mange! Viens tâter de ma lame! Tourbillon! Bon, on teste le saut ou... Je testerai... Ah bah... Tant pis. C'est bon? Non, c'est pas bon, hein. Voilà. Là, on a tué tout le monde. Bon, du coup, maintenant, on doit aller où? Parce que j'ai plus l'objectif là-bas. Non, pas par là. Ah, mais si je dois prendre 20 millions de détours... Bon, elle est marrante cette grotte, mais bon, si... Allez. Quelque chose me dit qu'on est encore loin de la fin. Ah, ah, les cons. Oh putain, les cons. Voilà. C'est puissante là, ce serait pas mal. Ouh. Ok, voilà, voilà pourquoi. Regarde ça, sans le couteau là, je mets tout dans le vent. Oh mais il y en a vraiment trop là. Et merde. Non mais regarde tout ce qu'il y a. Il y a une armée. Ah putain, merci. Allez, on y retourne. Here we fucking go, ma gueule. Oh putain, merde. Allez, allez, allez. Boum. Voilà. Donne-moi un peu de ta vie.
Ah mais non, mais pourquoi tu le fais sur d'accord, ok. Mais y'en a... plus j'en tue, plus y'en a. Ah oh, mais là c'est du n'importe quoi là, c'est... Voilà... Ah... Plus j'en tue, plus y'en a quoi. Regarde, il le fait sur d'autres cibles, c'est bizarre. Ok. Voilà. Je n'esquive absolument pas là. Je bourrine complètement. Je bourrine complètement. Allez, 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 allez. Oh putain. Oh les gars, un petit peu d'aide, please. Allez, il y en a plus là, allez. Aide-moi, connard. Merci. Ils mettent un peu de temps à se décider à te soigner. Je ne sais pas, Noctis, si je dois t'aider, tu me dois encore 200 balles. Voilà. Ah mais il y en a encore combien là? Non mais il y en a encore un. Tiens, mange. C'est bon là? Tiens, meurs. Et die. Die. Bien. Inventaire. Merde. Ah, c'est comme ça. Objet. Je suis plus empoisonné, donc je vais utiliser une petite potion sur Noctis. Voilà. Les autres, ils peuvent crever. On voit. Ah, si, je suis toujours empoisonné en fait. Merde. Voilà. Ah, mais t'es sérieux là encore? Oh là là. Tu sais, c'est le genre de grotte, tu rentres, t'es niveau 10, tu sors, t'es niveau 15 quoi. Boum. J'ai gagné un antidote. Putain, où est-ce qu'on doit aller? Là-bas. Ah oui, à la base, je devais me faufiler dans une espèce de fissure là, de... Je devais me faufiler et il y avait des créatures qui m'ont sauté dessus. Oh, c'est depuis ce moment-là qu'on se bat. Oh bah putain. Voilà. À la base, on en était là. Et il reste encore 100 mètres. Hein. Je précise juste au passage. Ah ouais, d'accord, je vois la prompto. La vie en rouge, c'est la vie qui peut encore se recharger. Ah ouais. C'est quoi ça? Quoi ce machin? Lame d'acier. Oh, ça a l'air cool. Je peux l'équiper? Arme. Assaut. Ah non, je pensais que c'était une arme. Je pensais que c'était une arme et tout, mais... Apparemment, j'ai rien. Ah! Noctis peut maintenant invoquer des armes fantômes. L1 plus R1 pour augmenter grandement ses capacités quand ses PM sont au max. D'accord, ça veut dire mob pour tester. De toute façon là-bas on peut pas y aller donc il faut... Quoi? Pourquoi je le sens pas? Pourquoi je sens qu'on va encore se faire botter? Ok, on a perdu prompto. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait bouffer. Bon. Oh. Buska, il faut qu'on aille l'aider. Attends, je suis où là?
T'es où, Prompto? Ah putain, mais il t'empoisonne automatiquement! Ah mais sérieusement quoi! Tu sais, je veux bien que des ennemis empoisonnent, mais à chaque coup direct t'es empoisonné, c'est très bien. Voilà. Ah, tu te fous de ma gueule, hein? Maudit sois-tu! En plus, je suis séparé de tous mes potes, donc du coup, je vais mourir. Ah, viens m'aider, viens m'aider. Oh putain, merci. Vite! Allons voir ce que renferme cette grotte, là. J'ai l'impression qu'on est au bout du donjon, là. Ah, ça c'est fait. Putain, on est tous séparés, là. Il faut absolument qu'on se réunisse, là. J'ai potion. Boum. Ok, ok. Ouais, de toute façon, le poison, je pense que t'en échapperas jamais. Allez, on se réunit par là. Ok, ça a l'air d'être bon. C'est bon, tout le monde est là. On a une armée devant nous. Eh bien, tout bien. Ah non, je peux faire avec L1R1. On va attendre que les PM soient à fond. Et on va invoquer cette arme fantôme, je sais pas du tout ce que c'est. On va invoquer cette arme fantôme. Ok, aïe. Tiens, mange. Oh, mais non! Sérieux, je suis tellement faible. Putain. Surtout ne m'aide pas, connard. Et alors, ça fait quoi qu'il soit KO? C'est pas bien grave. Voilà. Bon. Attends. Attends, attends. Machin, il est KO. Je peux plus l'aider, ça veut dire. Ils sont tous KO là. On est dans la merde là. Attends. Putain, mais je m'en branle de ton assaut Eclipse là. Je veux juste aider mes potes là avant qu'ils meurent. Toi! Voilà. Il est où l'autre? Putain, il est. Un petit kilomètre. Allez, avance, un petit s'avance. Je suis en train de mourir. Hop. Mais à la base. Putain, téléporte-toi! Oh non! Et voilà, je suis KO. Yeah! Ah, merci. Prompto il est KO, Inis, je sais même pas où il est là. Putain, on a perdu un membre. Ah, je peux ramasser un objet. Voilà. Putain, mais il y a trop de... Non mais là, il y a juste trop de mobs. Allez, croix, aidez. Voilà. Donc putain, Inis, il est en train de crever, il est en train de crever, Inis. Non, ne meurs pas. Ah, vous êtes sérieux à être faible comme ça, les gars? Genre, sérieux, quoi. Voilà. Mais putain. Les gars, avec ou sans vous, on n'y arrivera pas. Allez. On va terminer sur un fail. Et... Bon, et dans un cas comme ça... Non mais je veux aider! Merde ça, je peux rien faire! Aider! Ah, ouais, non mais là, regarde-moi cette armée, tu sais. Oh là 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 là, date branlée, date branlée! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Urgh. 40 millions de créatures. Non mais regarde, il y en a encore plein là! Encore 4 là! Alors vous êtes
Ah, on est tous très bien. Objet, potion sur moi. Et je t'aide. Et je t'aide. Ok, alors. Du coup. Je lui ai donné une potion, mais il a pas regagné de la vie ou. On fait vraiment aucun dégât. Là ça devient ridicule. Un peu stormé. Plus dur que Dark Souls. Allez. Ouais, j'exagère évidemment, c'est juste que j'ai pas le niveau. Mais... Parade. Oh bah non, ça a marché. Merde. Mais putain de poison aussi. Y'a pas un truc du genre... Ah, queue de phénix. Je peux pas ? Ça sert à rien, on dirait. Bon bah j'ai perdu. Oh là 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 là. On s'est fait violenter quoi. On s'est fait violenter. Bah écoutez, je vais retourner à l'écran titre. On a quand même bien joué. On est allé super loin dans cette foutue grotte. Hein. On a joué plus longtemps que ce que je croyais. Finalement. Écoutez, j'espère quand même que vous avez apprécié cette petite vidéo sur la démo de FF15, hein, épisode de Duskay. Je sais pas comment ça se prononce encore une fois, je suis désolé. Bon, j'ai un peu mal joué parce que voilà, c'est la première fois que j'y joue, donc je suis pas un habitué des FF, même pas du tout d'ailleurs. Donc il me faut du temps pour prendre, pour m'habituer au gameplay, il me faut du temps, donc voilà, désolé. J'ai quand même pas mal visité, je trouve, j'ai fait pas mal de choses, il me manque plein de trucs à faire, hein, ça je m'en rends bien compte. Mais bon, s'il faut farmer pendant, je sais pas moi, pendant une demi-heure, à marcher à rien foutre, autant pas le montrer en vidéo quoi. Tant pis si je meurs, autant montrer un maximum de choses sur une vidéo. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et puis un commentaire. Savoir si ce FF vous a convaincu, pas du tout, ou qu'il reste encore à convaincre. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur ce jeu. Personnellement... Je trouve que on voit trop peut-être dans ce jeu qu'il a été abandonné peut-être à certains moments, pas abandonné complètement, mais qu'on voit qu'il a été mis de côté, que parce qu'à la base c'était FF versus 13, après c'est passé sur PS4, ils ont modifié plein de trucs, ils ont revu le moteur graphique, enfin je sais pas. Je trouve que peut-être ça va être un bon jeu, hein, ça va être un très bon jeu, mais il va pas être extraordinaire non plus, quoi. Ça va être un bon jeu, c'est tout. Donc voilà. Mais au moins, ils auront le moteur de prêt pour la PS4. Donc ils pourront nous faire un FF15 2, je sais pas. On va dire rapidement après celui-là, quoi. Je pense, hein, parce qu'apparemment, ils disent qu'il est qu'à 60% de développement de jeu. Donc il est encore très loin de la fin. Il y avait des rumeurs comme quoi, ouais, fin 2017 ou en 2017 il sort. Mais c'est tellement plausible comme date de sortie 2017. Faut se rendre compte que le jeu est pas terminé, il faut qu'il le termine, et il faut qu'il regarde nos retours par rapport à cette démo, savoir si, tiens, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qui leur plaît bien, est-ce qu'il y a des problèmes, voilà. Moi déjà, je trouve que c'est cette caméra qui est juste affreuse, vu qu'il n'y a pas de lock auto, ou alors je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé la touche du lock automatique pour cibler un ennemi. Donc ça rend les combats brouillons, c'est un peu dommage. Mais à part ça, moi j'ai bien aimé, hein. Franchement FF15 j'ai bien aimé, c'est pas mal. Franchement c'est très sympa. Je pense que je vais rejouer peut-être plus tard, peut-être pas... Oh, peut-être ce soir, hein. Je sais pas, à moins que je me fasse du Warframe tranquille, je sais pas encore. Allez, donc je vous dis à très bientôt tout le monde, à la prochaine pour autre vidéo. La prochaine vidéo sera sur Bloodborne. J'ai aucune idée de quand elle sortira. Vraiment, hein, ne commencez pas... vraiment me dire ça sortira le 25, le 26, non j'en sais rien du tout. Ça sortira le 28 peut-être, j'en sais rien, je vais voir. Mais voilà, ça sortira quand ça sortira, donc désolé d'avance, mais voilà, on peut pas faire autrement. Et je sais toujours pas non plus à quel format je vais sortir ça, si ce sera des épisodes vraiment
enfin voilà, je sais pas, des épisodes que je sortirai tous les jours ou tous les deux jours, de quelle durée, je sais vraiment pas du tout. Donc voilà, c'était aussi pour mettre une petite update par rapport à ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, pour avoir le plein d'infos là-dessus avant tout le monde. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. And don't forget to taste the booyah!